tout le monde. Vous devinez, d'après ces images, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de poulettes et notamment du poulailler. Je vais vous montrer avec quoi je fais le poulailler et comment on l'a agencé. Et puis comment on leur donne à manger. Enfin voilà, tout ce qui tourne autour des poules, je vais vous montrer tout ça. Eh bien, allez, c'est parti! Alors déjà, le poulailler, eh bien c'est une structure qui a été faite maison, intégralement maison. Bon, bien sûr, on a acheté des planches pour le faire, hein, mais autrement, ça a été fait du fait main, si on peut dire ça comme ça. Tout ce que vous voyez ici, à part les éléments comme la mangeoire automatique, tout ça, ça a été fait maison. Alors là, nous avons les deux portes qu'on ouvre pour faire le poulailler. Alors, vous ne faites pas attention si le poulailler est sale, parce que je ne l'ai encore pas fait. Alors, voilà leur petit espace avec les deux perchoirs. Tiens, il y a Madame Curieuse qui arrive. Alors, il faut dire que chaque fois que je fais le poulailler ou quand j'ouvre la porte, eh bien, Madame la Curieuse vient voir ce qui se trame chez elle. Et puis alors, c'est quelle cause, hein? Elle en a des choses à dire. Et on fait des barres parallèles. Hein, Fifi? C'est la plus sympa des deux. C'est elle qui se laisse caresser, qui se laisse approcher. Alors que l'autre, la blanche, elle est plus craintive. Elle est un peu plus sauvage. Mais celle-là, elle est vraiment adorable. Hein, Fifi? Il va falloir que je fasse votre dodo là. Il est sale, j'ai encore pas fait. Alors, dans ce poulailler, donc là, on a raboté un peu le perchoir parce que c'était des angles et les poules n'aiment pas être perchées sur des tasseaux où il y a des angles. Donc, on les a rabotés pour qu'il y ait des bords arrondis. Là, on a rajouté un bois justement parce que c'était un peu trop. Les arêtes étaient un peu trop aiguës pour elle. Et oui, on parle de toi, ma fille. Et tu veux faire la vidéo à ma place, c'est ça? Et donc, ici, il y a donc le pontoir. Avant, l'entrée était par là. Et puis, quand on a eu un problème avec la fouine, eh bien, on a tout repensé le truc et l'entrée est ici avec une porte qui se ferme automatiquement la nuit avec la durée du jour. N'est-ce pas, madame? Hein, Fifi? Oh, voilà. Oh, ça, c'est une grosse mère. Elle est vraiment adorable. Hein, Fifi? Alors, au niveau du paillage, avant, j'utilisais de la paille, mais d'abord, ça coûte cher. Il faut dire ce qui est. Suivant les périodes, le prix n'est pas le même. Et puis, je trouve que c'est bien. Mais moi, je préfère maintenant, nettement, les copeaux de bois qu'on utilise pour les boxes des chevaux. Je trouve que ça remplit vraiment bien le rôle, que ça éponge l'urine. Et quand je le nettoie, c'est beaucoup plus facile de l'enlever parce qu'en fait, quand il y a l'urine et le caca, ça s'agglomère et avec la pelle, ça va tout seul. Et puis, je trouve qu'il y a moins de perte parce que les endroits où c'est propre, eh bien, je laisse. Alors que la paille, c'était souvent pas facile de trier dans tout ça et j'enlevais pratiquement tout. Donc maintenant, je n'utilise plus que les copeaux. Je trouve que ça fait bien le job. Ça s'achète dans des gros sacs. Et au niveau de la paille, ça revient nettement moins cher puisqu'on en met déjà moins. Et puis, ça fait pareil, quoi, disons. Hein. Et en plus, je dirais même que c'est beaucoup plus facile à stocker. Je vais vous montrer où je le stocke parce que la paille,
on l'a posé sur la cantine et en plus ça fait énormément de poussière et de débris qu'on est obligé de balayer sans arrêt. Là, je le stocke dans l'ancien poulailler, au fond, je vais vous montrer. Et voilà, donc ça rentre nickel et puis ça a l'abri en plus. Donc voilà, maintenant j'utilise plus que ces copeaux de bois. Alors, je précise que ce sont des copeaux qui sont dépoussiérés, car les poules n'aiment pas du tout les choses poussiéreuses pour leur voie respiratoire. Donc je le précise, comme pour les chevaux, on n'utilise que du matériel dépoussiéré. Voilà Madame Curieuse qui revient. T'as quelque chose à dire devant la caméra? Hein, Fifille? Alors, on va faire le tour de ce poulailler. Donc, les poules sortent et rentrent par là. Et nous avons mis ce système de porte qui se ferme lorsque, eh bien, il y a plus de, lorsqu'il fait nuit. Donc, les poules, elles sont habituées. Elles savent qu'à un certain moment de la journée, il faut rentrer, sinon ben, elles risquent de se retrouver porte close. C'est ce qui est arrivé au début. Il y en a une qui s'est fait laisser prendre et elle a passé la nuit dehors. Donc voilà, depuis tout va bien. Depuis qu'on l'a, ça fait oh, 2 ans maintenant, je crois. On n'a encore pas changé les piles. Donc pour vous dire que ça consomme vraiment rien du tout. Et le pondoir. Eh bien, je soulève cette trappe et j'atterris directement à l'endroit où elles pondent les œufs. Donc voilà, en gros, le poulailler. Maintenant, avant, on leur donnait à manger dans ces choses-là. Mais ça le renversait chaque fois ces trucs-là. Il y en avait de par terre et puis les oiseaux venaient se régaler également. Alors moi, j'ai rien contre les oiseaux qui viennent manger un peu, mais bon, on achète du grain, c'est pas pour nourrir les oiseaux de la planète, hein, c'est pour déjà nourrir nos poules. Et puis ça attirait quand même pas mal de bestioles, donc on a décidé d'investir dans ce genre de truc. Donc on met le grain ici. Alors là d'ailleurs, il y en a beaucoup, il va falloir qu'on en remette. Donc on le remplit et puis quand elles ont faim, eh bien elles viennent, elles montent dessus automatiquement. Dès qu'elles montent dessus, ça appuie, ça ouvre une trappe ici qui laisse passer le grain. Elles mangent ce qu'elles veulent et ensuite elles sortent, et dès qu'elles sortent, hop, le grain est protégé. Ici nous mettons les coquilles d'huîtres. Et ici, nous avons l'eau, donc à volonté. Donc voilà pour leur petit confort personnel. Alors, autant vous dire qu'elles ne sont pas malheureuses, hein, les grosses mères, parce qu'elles ont... Et on n'a plus que 2 poules. Et je vais vous faire une vue d'ensemble du parc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient les envier. Regardez, en plus c'est arboré. Elles ont de l'ombre l'été. Donc franchement, je pense que ici c'est un 3 étoiles pour les poules. Ensuite, où je stocke le fameux paillis pour le poulailler. Il est ici. Alors ce poulailler, c'était un ancien poulailler. Quand on avait beaucoup plus de poules, on avait réservé cette partie-là pour la ponte. Et puis il s'est avéré que les poules venaient pondre dans les 2 poulaillers. Et venait dormir là où elle voulait. Donc quand on a eu moins de poules, eh bien on a récupéré
ce truc-là. On n'allait pas le... Toujours fait main, hein. Avec de la récupération, vous voyez, c'est des anciennes portes, je ne sais pas ce que c'était. Des volets, ça, ce sont des volets. Et voilà, donc je stocke des pots hein, dont je me sers pas encore. Et puis là, eh ben, c'est mon sac de pays. Alors bien sûr, on a enlevé le perchoir hein, pour que ce soit plus facile pour moi. Et puis voilà, ça me fait une petite zone de rangement et de quoi stocker mon paillis pour le poulailler. Ah non, Fifi, là tu rentres pas dedans. C'est pas chez toi. Désolée, tu aurais bien aimé visiter, mais non, pas là. Vous avez assez grand. Vous avez assez d'espace. Alors elle, c'est la fuyarde. C'est la moins sympa de toutes les deux. Elle n'hésite pas à donner des coups de bec quand on vient prendre les œufs alors qu'elle couve, alors que l'autre, elle dit rien du tout. Voilà, c'est la plus hargneuse des deux. Donc je pense qu'à l'avenir, quand on les remplacera, eh bien, on prendra que des rousses. Parce qu'on a fait l'essai, on a pris des noirs, qui n'étaient pas très sympas non plus. On a eu même deux blanches hein, avant celle-là. Pareil, hein, assez caractériel et toujours aussi speed et on pouvait pas les approcher. Donc les seuls sympas qui sont assez familières, ben, ce sont les petites rouquines. Donc je pense qu'à l'avenir on prendra que des rousses. Bon, l'essentiel hein, c'est d'avoir des bons œufs. C'est l'essentiel, vu qu'on ne fait pas ni de collection, ni d'élevage, ni quoi que ce soit. Voilà, autant prendre des animaux qui nous sont agréables. Bon, ben voilà, hein, on a fait le tour du... Ah, je voulais vous montrer aussi un truc. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu d'atteinte de peau rouge. Alors, une fois par an, je passe la terre de diatomée à l'intérieur, sur les parois du poulailler. Et à chaque fois que je fais le poulailler, eh bien, je mets, sous la litière, je mets des branches de romarin. Ceci a pour effet de repousser les poux rouges et autres petites bébêtes indésirables pour les poules. Donc, pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, je croise les doigts. Je n'ai encore jamais eu d'attaque de poux rouges. Donc, bon, j'espère bien continuer dans cette lancée. Fait cette semaine, eh bien j'ai quand même installé des arceaux parce que bien que la douceur du temps revient malgré le mois d'octobre, mais on n'est jamais à l'abri d'un refroidissement soudain et donc j'ai préféré mettre sur toutes mes parcelles, installer mes tunnels en prévision de, il ne me restera plus qu'à mettre la bâche et les tunnels qui viendront par-dessus comme à la façon de Jaco et Lily. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et on se donne rendez-vous donc pas la semaine prochaine hein, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, mais dans 15 jours parce que bon maintenant on arrive dans des périodes où ça va être un peu plus calme au potager et je ne vais pas vous montrer toujours la même salade, hein, ça n'a vraiment pas grand intérêt, donc je préfère espacer tous les 15 jours. Pour avoir un peu plus de contenu à vous proposer. Allez, bien écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis, ben, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Allez, à bientôt tout le monde !